Oh, stop! Ne bouge même pas. Maman. De quoi que tu veux? Hein? Tu graves les mêmes jeux tous les jours, les mêmes jeux, c'est même bête jusqu'à. Ah, c'est bête. Attends, le porno. Non, le porno, le X. Pas X, mais il y a le X. C'est un peu éducatif. Ah, ils sont fatigués. Mmh. Femme, tu ne veux pas pour le jeu. Oh, mais tu es mis là-bas. Rationne-moi, ok. Merci. Pardon, ici, je me dis. Je suis là, une famille, une fois, il y a un coup. C'est mon mieux. Tu es avec moi. Je suis en train de te parler, toi tu roules. Je sais pas, c'est quoi ça? Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais là? Tu méprises devant elle? Non mais arrête! N'importe quoi. Tu me gifles maintenant pour rien. Je vais te rendre la gifle là. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je n'ai jamais vu le genre de femme comme ça là. Pourquoi la robe que je portais hier là? Donc je ne sais pas. Mais on n'a jamais eu de cas de vol dans ce cas. On n'a jamais vraiment eu de cas de. Je sais pas. On n'a jamais attrapé, quelqu'un ne s'est jamais pleuré. Quand tu me dis ça, ça m'étonne. Moi je suis dépassée. J'étais dépassée quand je me suis rendu compte. Comment on vole, voler même la robe, non? Laisser les vêtements, non. On a tout pris. Tout, je dis tout. Ça c'est un coup sûr que ce sont les femmes, parce qu'il y a les filles qui sont jalouses, hein. Il y a les filles dans ce camp, elles sont jalouses parce qu'elles me voient souvent sortir, elles me voient sortir avec les filles là, que elles disent que non, tu attends le bavardage là, le promo, ça que non, ta femme est ici, ta femme est là. Ça c'est un coup, ça c'est une femme qui a fait ça. Pourquoi vous les femmes vous êtes mauvaises pour vous comme ça là? C'est quoi ça? C'est quelle habitude ça? En tout cas, moi je n'ai pas le cœur là. Moi j'arrive pas à comprendre. Tu voulais les vêtements, tu vas faire quoi avec? Tu vas aller faire quoi? Quand tu vas porter un mat. Tu vas faire quoi avec? On non, ça c'est une fille de ce camp. Tu dis que c'est une fille d'ici là. Tu sais quoi? La prochaine fois que tu vas faire la lessive, je ne sais pas, c'est demain, je ne sais pas. Si tu peux me programmer demain, tu fais la lessive, tu sèches encore. On va trouver la personne là. Tu sais, tu sèches, bon, tu peux. C'est vrai que je n'ai pas prévu de faire la lessive, tu vois, mais je vais seulement aller sécher. Non, viens, tu pars, tu sèches. Là, on va se placer là quelque part. On va essayer de voir la personne qui fait. Parce que il y a des filles qui ont une sale mentalité ici, le vol. Ça fait les enfants qui sortent du village. Ok, de toute façon, c'est pas grave. On pas dormi. Moi, j'ai. Je vais gâter la soirée des gens comme ça.
Oh, stop! Ne bouge même pas. Maman. Ah, ah! Un garçon? Un garçon, frère. C'est quoi ton problème? Ce n'est pas la chose. Tu fais quoi avec les souvenirs de ma femme? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? C'est la sorcellerie. Ok, c'est pas la magie, c'est là. Tu fais quoi avec? Tu ne comprends pas. Hein? En fait, c'est que depuis là, je... Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Okay, mets-toi à genoux. J'ai dit que mets-toi à genoux. Il y a quoi? C'est mets-toi pas à genoux. Laisse-le. Mais j'ai dit qu'il va se... Il y a quoi? Laisse-le. Tu fais quoi avec les caleçons de ma femme? Non, c'est pas la tu fais quoi avec les caleçons de ma femme? Non, c'est que depuis là... Elle t'intéresse, tu n'as pas ta part. Tu n'as pas ta part. Attends, est-ce que tu n'as pas ta part de femme? Hein? Ouais, c'est quoi ton problème? Tu fais quoi avec ces sous-vêtements? Non mais tu n'as pas tu compris. Tu n'as pas la sorcellerie. Tu fais quoi avec les sous-vêtements du femme? On est dans merde. Tu as ta bonne homme frère. Et qui? C'est pas la magie ici là. Un homme, moi je croyais même que c'était une femme. Tu fais quoi avec ces... Mais c'est pas sur le tic. On se connaît quelque part. Hein, et qui? S'il vous plaît, toi, on se connaît où? Ça peut-être que c'est même pour moi qu'elle porte là-bas. S'il te plaît, respecte-moi. Respecte-moi. Attends, ton mari ne se respecte pas, on va te respecter comment? Attends un peu. Attends. Tony, tu vois. Tu vois ce que tu fais? Attends même d'abord parce que vous aimez entendre. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre. Si tu fais le quoi? Si tu fais le quoi? Tu vas appeler le quartier. Tu fais quoi avec ça? On va te brûler même. Ce n'est pas un secret ici là. Pardon. Pardon quoi? Pardon, ma soeur. Pardon. Eh, ne me touche pas. Ma soeur, comment? Ma soeur, quand tu. Ma soeur. Hein? Pardon, appelez les. On va te taper. Tu fais quoi avec les calais? Attends mon frère, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut, je peux m'expliquer quand même? Vas-y. Explique-toi. Je ne sais pas. Peut-être c'est au village qu'on m'a fait ça. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne sais pas. Accusez toujours au village. Parce que je t'assure, chaque fois que tu mets toujours les trucs ici, je viens toujours regarder. Au début, si je regardais, je ne touchais pas. Après, c'est devenu que je regardais, je touchais, je partais dans la chambre. Quand ma femme n'est pas là, je mets sur le lit, je commence à imaginer les choses. Attends, tu peux bien aller causer avec elle. Au lieu de causer avec elle, elle te bat tranquillement, tu pars, tu peux faire prendre, tu voles les fonds. Il fantasme sur moi. Non, il ne te suffit pas, non. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ok, comme tu es comme ça, comme tu aimes ces sous-vêtements, on va d'abord te fouetter, tu vois, non? Non, on va te fouetter. On va te fouetter parce que tu aimes le désordre. Tu viens prendre les sous-vêtements de la femme. Non, on va pas. Non, appelle le quartier, appelle les voisins. Regardez. C'est comme si tu ne le satisfais même pas bien. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je suis sûre que tu as fait quelque chose à mon gars. Même si c'est ce que tu as fait sur lui. Tu connais. Ton débrouillard là. Il fait même quoi? À part rester brûlé. Vous marchez ici là dehors. Vous emprisonnez les gars. Pourtant tu es là-bas. Tu es là-bas. Les gars comme le poteau. Tu ne viens qu'accrocher tes gars. Ça marche même ici là. Planche. Pas chercher à le satisfaire. Puis ne vole plus les femmes. Tu n'as même pas honte. Elle parle les fesses.